On m'a signalé à de nombreuses reprises un incident survenu à Midtown et impliquant, vous l'aurez deviné, Spider-Man. C'est toujours la même histoire, mais il y a une petite variante cette fois. Selon mes sources, Hammerhead, le parrain de la Magia, est passé, je cite, en mode cyborg. Nous avions déjà des pieuvres robotiques et voilà maintenant des malfrats mécaniques. Oh, mais que sont devenus les criminels d'autrefois qui enfilaient un collant sur la tête et essayaient de braquer une banque avec un pistolet à billes? Ah ben oui, Spider-Man est arrivé. Ah, parfait, pas déjà? Je viens d'arriver. T'as vu qu'Octavius va plaider la folie? J'espère pour lui qu'il sortira pas. Il se ferait lâcher. Ils sont en asile, alors là, ils le mettent où ils veulent du moment qu'ils le laissent. Mes fans cherchent un troll dont l'avatar ressemble étrangement à un costume de Spider-Man. Il faut que je renvoie ce type derrière les barreaux pour de bon. Oh! Mais où elle les trouve tous? Prêt pour encore plus de contenu premium? Oh, vite, vite, vite! Dis un truc controversé! Je voudrais voir si on fait plus de vues! Bête de brume 42 dit: on peut avoir une autre photobombe? Ha! Y'a qu'à demander! Oh cool! Mes nouveaux fans sont arrivés! Et ils sont branchés high-tech, tu vas voir! Les hommes d'Hammerhead! Pourquoi c'est toujours les hommes d'Hammerhead? Ouais, je pense que tu peux faire mieux que ça. XX avant l'aurore, XX dit: cette émission est la meilleure d'Internet. Hashtag révélation. Prends cette photobombe! Photo. Regarde, encore des fans à moi. Oh, sérieux, je suis genre trop populaire. Oh là 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 là, ça part en vrille. On va arranger ça. Catégorie, là.
ça ! Pas trop mal, mais dans mon secteur d'activité, pas trop mal laisse à désirer. Pour moi, ça vaut un B moins. Moins que rien. Je suis prête. Retrouvez-moi ma base. Je voulais vous demander, comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant? Toujours aussi sympa. Pourquoi elle me raccroche toujours au nez? Elle a peut-être pas fait exprès. Peut-être que ça a coupé. Ah, si ça se trouve, elle aimerait que je la rappelle. Ou alors, elle a peut-être plus de crédit sur son forfait. Et pour elle, ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Parce que ça coûte une blinde. Mais de toute façon, cela ne nous regarde pas. Mais d'après le rasoir du CAM, l'explication la plus simple et la plus plausible, c'est qu'elle me déteste. Ouais, la logique est souvent cruelle. Attention, Magia en possession d'un camion-citerne au contenu dangereux. Besoin d'unités dans le périmètre de Lower Chinatown. Vous vous êtes mis dans une quartier avec le pétrin. Un bon gros pétrin explosif. Spider-Man. Il va falloir que je surveille ces transports. Les hommes d'Amered ont l'air de se diversifier. Que je chauffe. Celui qui prépare ces scènes est fan de la couleur jaune. Attention, la Magia est en train de piller un convoi de livraison de sable. Besoin de renfort près de Trinity, terminé. Après les armes, Amered vole des vivres. De mieux en mieux. Vous avez assez d'armes comme ça. Et vous êtes loin de mourir de faim. Il va trop vite, bordel. Avec toi, faudra passer dur. J'ai une armée à moi tout seul. Ah.
Tariens ont besoin de ce ravitaillement. J'espère qu'il partira bientôt. Oh, merci, Spider-Man. On va appeler des renforts pour livrer cette carte. Mettons-nous au travail. Alors elle est où cette fameuse passe dont vous parliez ? Vos jouets sont beaucoup plus cool que les miens ! J'adore le coup de la forteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous, je suis justement expert en calibrage. C'est parti! Bon, par quoi on commence? Mettez le module du laser en place. Tout de suite. Oh, ce laser de fou! Dispositif fixé. Et voilà le travail. Ce n'est pas terminé. Ah. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo! Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non? Il n'y a rien à dire. On le trouve, on braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne, on fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Ben jusque-là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non? Quand le loup attaque l'agneau, il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer ? Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Vous allez pas me tirer dessus, au moins ? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez cette cible. D'accord. Ok. Prête ? Prête. Sors que la bombe ! La ville ! Cool ! Encore quelques-unes. Pas de problème ! En voilà une autre ! Joli tir ! Hé, c'est la variante militaire du Valdrop ! Oh, faut qu'on en sorte une, s'il vous plaît ! Vous êtes un vrai gamin. Ouais, bah on est tous des enfants au fond de nous. Il nous reste une chose à faire. Ok, j'arrive. Il faut ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. Accédez à ce terminal et attendez que j'active le système. Système paré. J'y vais. Ok, ça devrait le faire. Ah !
tout fait équipe maintenant? Trop nul. Mais ça ne changera rien. Sable? J'arrive comme un coup de main, là. Le laser a lâché. Vous pouvez le réparer? J'essaie. Ok. Continue à distraire Hammerhead pendant ce temps. Ok, c'est un compte à régler. Prends ça! Je tenais à te remercier de m'avoir montré ce qu'il me manquait depuis longtemps. Si je veux régner sur cette ville, je dois me moderniser, évoluer. Maintenant que je me suis perfectionné, je vais devenir le boss que j'ai toujours voulu être. Dès que je vous aurai tué tous les deux. Ok, on y est presque. Sam, vous en êtes où? Le laser est de retour. Maintenant, je peux l'approcher. Tu crois que tu me fais mal? Je ne sens plus aucune douleur. Allez-y, les gars! Je vais t'achever! Essaie d'éviter ça! Frappe-moi tant que tu voudras. Je suis indestructible. Faut pas qu'il me touche! Continue à tirer. La prochaine fois, on l'aura. Je largue les bombes. Vous les dirigez sur lui. Oh, quelle passe! Yes, j'ai eu. J'ai un compte à régler. Il est rapide. Bombardement en cours. Rêve de régner. Frappez-le. Oh,
passage. T'es pour inutile. Ne fais pas de pareil contre moi. Indestructible, hein? Bon, c'était fun. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non. Bien sûr. Dites, vous voulez bien me déposer en ville? Je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... Ouais. J'ai l'impression que les lance-toiles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire.
Allez, essaie de suivre. Bon, Hammerhead a eu son compte. Mais ces hommes courent toujours. Eh oui, pas de repos pour les araignées. Que je chauffe. C'est une belle journée, Admiral. Hammerhead a enfin été neutralisé pour de bon jusqu'à la dernière pièce robotique. J'irai même jusqu'à accorder une once de reconnaissance à Spider-Man et à Silver Sable. Enfin, ce sont eux qui lui ont porté le coup de grâce. Cependant, tandis que les médias de masse s'empressent de couvrir ces justiciers de louanges, permettez-moi de vous présenter les faits. Hammerhead ne serait jamais allé si loin si Silver Sable n'avait pas laissé traîner son équipement dans la ville. Et ne me lancez pas sur Spider-Man, qui a attisé une guerre des gangs et provoqué la mise à pied d'un capitaine de police décoré. Alors bien sûr, ils ont réglé le problème, mais un problème qu'ils avaient eux-mêmes causé. Je me rappelle, Yuri m'a dit qu'ils avaient conclu à une mort accidentelle. Intoxication alimentaire, je crois. Écoutons ce qu'on a sur ce dictaphone. Alors Doc, vous en pensez quoi? Eh bien, d'un point de vue clinique, vous êtes un sociopathe. Vous n'éprouvez aucun remords, vous n'êtes clairement pas stressé. Et je doute que vous pensiez avoir un problème. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui? Vous êtes futé, hein? Ok, on va jouer grand jeu. Si vous faites sagement ce que je vous dis, j'irai pas tuer votre famille. Wow. Vous voulez jouer grand jeu? Très bien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous ai reconnu à l'instant où vous avez franchi cette porte. Et je peux vous dire qu'avant que je fasse quoi que ce soit pour vous, vous allez faire quelque chose pour moi. Ça, je m'y attendais pas. Ces scènes de crime ressemblent à des exécutions déguisées de la Magia. Et si l'homme qu'on entend sur les enregistrements en fait bien partie, c'est peut-être lui qui a tué tous ces gens. À toutes les unités, des agents ont pris en chasse un camion volé à sable.
converger vers Grande Centrale. Terminé. Je crois que vous embarquez les affaires de sable. Et vous pouvez me croire, ça va pas lui plaire. Autant de gens veulent bosser pour Hammerhead. Ça va péter. Ce serait bien qu'Oscorp arrête de produire ces trucs pour sable. Hammerhead ont piqué ce TBT. Je dois les intercepter. Allez! Allez! Je l'ai touché! Joue plus les malins maintenant! Encore des hommes d'Hammerhead? Qui a dit que l'exercice était bon pour la santé? Ah bah, il est temps d'appeler ça pour qu'il récupère son tank là. Enfin, ce qu'il en reste. Centrale, poursuite terminée. On saisit véhicule des suspects. Des assaillants armés s'entraînent à un convoi arrêté. Agent disponible, rendez-vous dans le secteur de Bryant. Terminé. Je devrais aller voir ça de plus près. On trouve pas mal de rubans et d'équipements de la police sur chaque scène. Notre inconnu doit y avoir accès. Est attaqué. On a besoin de renforts à Times Square. Terminé. La personne qui a mis ça là voulait que je me penche sur ces accidents. Je m'en souviens. Une victime d'électrocution accidentelle qui avait des liens avec Hammerhead. Et malgré ses efforts, Yuri n'a pas pu prouver que c'était un meurtre. Sur le dernier enregistrement, le psy avait pris le dessus sur l'homme de la mafia. Content de vous revoir.
Asseyez-vous. Avez-vous ce que... Là, j'espère que ça résout votre problème de liquidité. Parfait. Cela devrait aller. Merci. Bien, je suppose que vous êtes ici parce que j'ai un certain nombre de patients officiers de police. Vous supposez bien. Mais mon boss et moi, on s'intéresse à quelqu'un en particulier. Et qui donc, je vous prie? Le capitaine Yuri Watanabe. Yuri? Et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai un peu peur d'entendre la suite. Mais je peux pas m'arrêter là. Comme ça! Et vous êtes loin de mourir de faim! Butez-le! Merde! Je vais t'éclater! Ça va pas se passer comme ça avec toi! Je vais péter cette sauvage.